Intronisation de Dag Degbe ce dimanche 26 février 2023 au palais central Werundi à Abomey. Dag Degbe est un grand devin dans le royaume de Dahomey et préside les cultes Oro, Kouvita et Sebolissa. La famille a eu la chance de donner naissance à un enfant qui est devenu président de la République. Et pour toutes ces raisons, la cérémonie d'intronisation du chef de collectivité a marqué sa particularité. C'est une cérémonie hors du commun. Tête couronnée de pratiquement toutes les lignées royales du Dahomey, les cadres, des ministres, des maires, le préfet du département du Zou, les enfants et petits-fils Gedegbe et des citoyens ont effectué le déplacement. Le palais est rempli de monde, même des étrangers. Des délégations sont venues de Kétou avec le Gélédé et d'autres royaumes. L'appel de son nom, Baba Gedegbe a répondu par l'affirmative et a reçu les insignes et le trône de sa collectivité. Les ministres à la cour royale lui ont dicté les lois du Dahomey. Dag Degbe a donné son nom fort en ces termes. Oh,
Ce nom a été acheté par le chef de collectivité, les têtes couronnées et les familles alliées et les invités. Le plus âgé de la famille Gedegbe, appelé en langue nationale Fongberenuto, a dit toute sa satisfaction pour l'aboutissement heureux du processus ayant conduit à l'intronisation de Da Gedegbe. Le chef de la collectivité a toute sa bénédiction. Les enfants Gedegbe se réjouissent également de la réussite de la cérémonie. Ma mère Gedegbe s'est confiée à notre micro. On m'appelle ma mère Gedegbe. Oh, ces sentiments sont des sentiments de joie. Parce que nous sommes restés pendant un bon moment à ne pas avoir un chef de collectivité. Et aujourd'hui, nous sommes très contents, très ravis d'avoir notre chef de collectivité qui représente en fait notre aïeul aujourd'hui. Non, mais c'est tout à fait naturel. C'est Gedegbe qui est en train d'être intronisé. Et quand on parle de Gedegbe dans la cité historique d'Abomey, dans le Dahomey mais en particulier, tout le monde sait ce que ce grand homme a été pour le royaume d'Abomey. Et la population d'Abomey, les Dahomeyens étaient même très impatients d'avoir leur Gedegbe parce qu'il représente un maillon fort dans la chaîne du fonctionnement du royaume d'Abomey. Gedegbe a été pour beaucoup dans les avancées, dans les grandes victoires du royaume d'Abomey. Il a été le grand devin du roi Glélé, qui à sa suite l'a remis à son fils Béhanzin, avec qui il a fait tout le parcours, tout le règne du roi Béhanzin. Gedegbe est la famille maternelle de l'honorable Orden Aladati, député à l'Assemblée nationale. Il n'a pas manqué d'exprimer sa joie. C'est des sentiments de joie. Et il faut saluer tout le monde, saluer tous les Rubadjavi qui ont pris l'événement à cœur pour que ce soit vraiment une fête. Donc il faudrait ça l'accompagner de nos prières, de la bénédiction des sages, des grands de cette terre, afin que il y ait de la prospérité, qu'il y ait la paix dans le royaume du Dahomey. Merci beaucoup. Après la cérémonie d'intronisation au palais central Werodji, Da Gedegbe a esquissé quelques pas de danse devant le palais central. Des femmes et des groupes folkloriques l'ont accompagné à travers panégyriques et animations culturelles. Le Gelede de Ketou aussi a eu droit de citer. Les dignitaires des cultes Sebolissa, Oroku, Vitor, les enfants et femmes Gedegbe ont accompagné le nouveau chef de collectivité. Vu le rôle dévolu à Gedegbe dans le royaume de Dahomey, le nouveau chef de collectivité a fait le tour de plusieurs palais et lieux de culte avant de rallier la collectivité familiale à Adanopoji. Hilarion Gedegbe explique. Moi, je me prénomme Hilarion, mon nom est Gedegbe. Bon, il faut dire que c'est un événement, un réel événement, qui a permis à beaucoup de Gedegbe aujourd'hui de savoir comment ça se déroule chez les Gedegbe. C'est rare, parce qu'on n'intronise pas tous les jours. Et nous avons commencé avec l'organisation depuis un moment. On avait déjà présenté le Pogué. Ça a été un événement fort pour tous les Gedegbe.
on l'a bien vécu. Et aujourd'hui, c'est l'intronisation. On a compris finalement que Gedegbe à Abomey est en contact direct avec la cour royale et avec beaucoup de rois. Il faut dire par exemple que Gedegbe est né dans le palais de Agonglo. Et depuis Agonglo jusqu'au niveau d'Agboliagbo, Gedegbe a commencé par collaborer jusqu'à Agboliagbo. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons à collaborer avec les descendants de tous ces rois. Quand on intronise le chef de la collectivité Gedegbe, avant de venir dans sa propre maison, il doit faire des escales. C'est ce qui a fait que ça a duré un peu avant que notre chef de famille ne rentre dans sa propre maison. Et à chaque étape, on rappelle l'histoire que notre aïeux, le premier Gedegbe, a tissé avec le royaume du Danromé. Ça, c'est une merveille. Accompagné du début jusqu'à la fin, des femmes, hommes, jeunes, des dignitaires et têtes couronnées, Dag Gedegbe va rester pendant 7 jours à Adjelalassa selon le protocole en la matière dans le royaume de Danromé. Les enfants pourront venir lui faire allégeance. Notons qu'une grande mobilisation a accompagné l'intronisation de Dag Gedegbe. Non, chacun de nous est issu d'une famille, vient de quelque part. Et mon nom le dit très bien. Donc mon grand-père est petit-fils du Bokono Gedegbe. Et donc nous devons honorer sa mémoire d'être présent dans toutes les circonstances heureuses comme malheureuses de notre grande famille. Et c'est le sens que je donne à ma présence. Donc comme enfant, on dirait vie, Gedegbe vie, tout simplement, sans plus. Ah, la majestuosité, c'est très solennel, c'est au-delà de la réunion des familles, c'est les amis, c'est même tout le pays fond qui s'est mobilisé. Et je dirais au-delà du pays fond, tous ceux qui sont curieux de mieux comprendre cette espèce de symbiose que Gedegbe représente en tant qu'originaire de culture Nago. Et désormais vénérable et figure du royaume fond d'Abomey. C'est une synthèse extraordinaire qu'on n'a pas fini de questionner et je suis dans l'émotion de la fête et mon plaisir le plus grand est que ma collectivité ait enfin à sa tête un chef reconnu de tous, auxquels nous devons obéissance et soutien. Oh!
Come on.